Bon après-midi, nous sommes jeudi le 12 janvier, il est 2h46 et j'arrive à l'instant même de faire l'épicerie pour la semaine prochaine. Mais on va commencer tout de suite. Parce que si j'ai 4 emballages de poulet, je t'avais fait Maxi, 4 emballages de poulet sans peau avec os. On mangeait pour souper. Donc, dans pas long, je vais commencer ça. Ensuite, j'ai acheté une douzaine d'œufs du Romano à 30% parce qu'il est daté du 26 janvier, mais je le cuisine ce soir. Ensuite, j'ai acheté deux emballages de yogourt que je voulais essayer, mais que j'étais comme assez cher. C'est des nouvelles sortes PC. Choix du président. Crème sur le dessus citron, qui est datée du 31 janvier à 30%. Crème sur le dessus cerise noire, du 25 janvier à 30%. Le skyr. C'est un yogourt islandais que j'affectionne particulièrement. C'est très près du yogourt grec, c'est très épais. Mais je trouve que c'est un peu plus acidulé puis moins sucré quand il est parfumé. Je sais pas si c'est juste un choix que PC a fait de le rendre moins sucré, mais ouais. Donc, j'ai acheté celui-là, c'est du 27, je me trompe pas. 26 janvier, à 30% aussi, puis c'est fortifruits, mûr, bleuet, cerise. Ensuite, 3 pots de margarine Célèbre. Oui, des fois, le gros format vient moins cher, là, c'était 2$ chaque. Mais j'ai presque fini mon gros pot. Et j'aime le petit pot parce qu'il rentre bien dans le frigidaire. Chat! Mon chat est sur la table. J'ai acheté du lait de poule au chocolat. Tu sais, genre un copain full chocolat. Puis du lait de poule, c'est bon. Puis il est en liquidation. Donc, moi, quand je le prends, je le dilue parce que c'est un petit peu riche. Ensuite, j'ai acheté 2 emballages de chaussons réfrigérés Pillsbury. Un aux pommes et aux framboises. Un sac de maïs, un sac de petits pois. Un sac de filet de sol sauvage à 10$. C'est un 1,36 kg. Je trouve que ça fait la job. C'est pas le meilleur du monde entier, mais de la sole, ça se mange bien. Puis, je vois tellement le parfumé que ça paraîtra pas. C'est pas un genre de produit que tu manges juste pour aller dans la poêle. C'est comme pas assez. Mais bon, quand même pas le poisson. Donc, si j'en fais manger, faut pas que ça goûte le poisson. Puis, c'est un bout de temps que j'ai voulu en manger. Il y avait tellement pas de sortes au magasin. Je suis allée au Maxi Compagnie. Moi, je travaille chez Maxi. Puis, j'ai plus de variétés que Maxi Compagnie. Ça compare porte pour porte. J'ai plus d'espace pour ce type de repas-là que eux y en ont. Donc j'imagine que c'est pour ça qu'eux y en ont moins. Mais puis, je voulais avoir une sorte particulière, puis je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris celle-là. La friture, un sac de carottes, 6 patates douces, un brocoli chétif, une chance qui n'était pas chère, parce que une boîte de champignons, 2 poivrons verts, un navet Rutabaga. Quelques bananes presque prêtes à manger. Crème de brocoli. Crème de cheddar. Crème de poulet. Crème de céleri. Sauce soya régulière. Noix de cajou. 2 emballages de 2 balles pour la sécheuse. Pas facile à dire. Plus il y en a, plus ça sèche vite. Pas compliqué. Donc à 4 balles, ça devrait sécher assez vite, merci. 12 pains Docker. On mange ça demain pour souper. Donc c'est ça. Ça m'a coûté 118,98$. 12,44$ d'économie. J'ai fait 5200 points PC.
Je suis rendue à 331 000 points PC. C'est pas ça. Jusqu'où on se rend? Peut-être un jour une maison. Je sais pas. Si on est mal pris, on a ça de côté, dans le fond. Mais sinon... Donc, c'est ça. Je vais ramasser ça et préparer le souper parce qu'il est presque 3 heures. On voit rien ici. Hein. Mon bordel. Presque 3 heures. Bonne fin d'après-midi.